Salut YouTube, c'est Akira. On se retrouve aujourd'hui sur No Man's Sky. Donc, pas en direct. Je ferai du direct demain. Le jeu sort demain normalement. Je l'ai eu pour 34 euros parce que j'avais un bon d'achat chez Micromania. Donc, je l'ai eu aujourd'hui. Pour ceux qui l'avaient réservé, on pouvait l'avoir un jour avant. Donc, c'est le jeu le plus attendu du mois d'août. Un jeu d'exploration de planètes. 18 millions de planètes à explorer. Donc, c'est parti pour cette vidéo découverte. Alors, comment ça marche? Ah, ben je peux me diriger. Par contre, je peux caler tout le temps, je sais pas pourquoi. Je vais aller vers cette lumière verte. Suis la lumière, qui disait. Allez, on va commencer, donc, ben je sais pas en fait. Comment je fais pour me diriger vers une planète? Je vois des noms marqués, alors je sais pas, c'est peut-être des noms de planètes. Là, je sais pas du tout où je vais. Donc apparemment, j'ai pas trop le choix en fait. Je peux regarder en haut, en bas, mais je vais toujours tout droit. Donc je viens d'arriver sur une planète. Interagir. Sur un instant, je vois les débris. Oh, je crois que c'est trop grand et trop éblouissant pour qu'on puisse le. On peut accepter. D'accord. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Bouclier. Hop. Donc réparer, je peux pas le réparer. J'en ai qu'une sur quatre. Très bien. Et ça, cette technologie dans une taille critique. Il me faut de l'iridium, des feuilles et du zinc. Allez, c'est parti. Donc on sort. Donc c'est vrai que pour mon premier essai tout à l'heure. J'ai eu un gros problème en fait, je me suis fait tuer de suite par des drones en fait. D'accord, allez. Donc je vais récupérer toutes les ressources que je peux. Par contre, il va falloir que je regarde qu'il n'y ait pas ces fameux drones qui m'ont tué sur mon premier essai. Je suis vraiment dans une seule planète. Alors, je récupère au taquet de ressources. Et après on viendra faire les comptes, voir si je peux réparer ou pas, voir ce qui me manque. Alors du fer, il m'en faut. Avec des éléments. Ah, ça va trop vite. Appuie sur R1 pour combattre au corps à corps. J'ai pas vu comment le recharger. Putain, ça va trop vite. Recharger. Appuyer sur ça. Laser. Rayon d'extraction. J'avais pas vu que j'avais un jetpack. Une sorte de jetpack. Putain, c'est chaud quand même comme jeu. Donc je viens de recrever. Voilà, je viens de recrever. Mais c'est vraiment pas facile en fait, comme jeu en fait. Le temps de comprendre ce qui m'arrive, est-ce qu'il m'a dit froid? D'accord, je peux rien faire. Étoile de blindage. J'aimerais pouvoir le réparer.
Donc là, je vais sortir. Je vais regarder dans mon inventaire si je peux faire des trucs. Ouais, c'est quoi ça? Les armes, ok. Donc, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une base. Je m'y approche pour voir ce que c'est. Vous avez découvert ceci. C'est très bien. J'ai pu sauvegarder. Donc il y a une base apparemment. Je sais pas si je peux rentrer dedans. Protection radiation défaillante. Putain, plus c'est de la radiation. Oh! Un vaisseau. Apparemment il y a un vaisseau. Je viens d'apprendre un mot en corax. Ok, très bien. C'est tout. Nouvelle technologie découverte. Ok. Ah bon. Ça y est, il fait jour. Donc ça c'est bien. Qu'il fasse jour, je préfère. Je vais récupérer le titanium. Je vais récupérer du fer. Du carbone. Donc là je vais revenir au vaisseau, voir si j'ai assez de matériaux. Par contre c'est immense quoi. La planète elle est immense et très très hostile. Je sais pas si je vais m'en sortir en fait. Si je vais aller plus loin dans le jeu, j'y arrive pas. Au secours. Il y a tellement de trucs à voir que putain, en plus je me crache quoi. Puis c'est dur d'apprendre un peu toutes les commandes en même temps que l'on joue. Ils auraient pu nous faire atterrir sur une planète au départ un peu moins hostile en fait. Pour apprendre les bases du jeu. Le vaisseau, il est... là, il y a de quoi se soigner par là. Donc on va aller là où il y a pour se soigner. Voilà, ceci, ça te permet de reprendre de la santé. Alors, le vaisseau, il est quelque part par là. Il est là-bas. Ok. Vous voyez comment c'est immense en fait. Hein? C'est un truc de dingue. Ah, j'ai pas le pass qu'il faut pour utiliser ça. Rien n'a été trouvé. Merci, c'est sympa. Ah merde. C'est assez dur d'apprendre tout sur le tas comme ça. Surtout que l'on se fait souvent attaquer par. Bon, en fait, c'est ma tombe ici. J'ai pu récupérer ce que j'avais récupéré avant de crever.
Voilà, j'ai retrouvé ma tombe, c'est super. C'est un peu gore. Allez. Donc j'ai récupéré mes objets, je vais voir ce qui me manque à récupérer. Où est le vaisseau? Merde, j'ai perdu le vaisseau. Ah, il est là. On entend des bestioles. Allez, on va réparer ça. C'est bon. Donc il me manque l'érinium, l'iridium. Et là, il me manque une feuille de karité. Donc ça va être possible d'en faire une. Voilà. Là, c'est bon. Ça c'est quoi? Tissu micro densité. Matériaux contre un petit usage. Comment on peut y voir? Ok. D'accord. Valeur totale en unité. Putain, c'est cool. Je peux faire plein de trucs. Il y a tellement de trucs que je peux faire. C'est un truc de fou. Donc l'iridium, ça c'est bon. Ah du coup il me faut faire des feuilles, merde. Je commence à prendre un peu mes marques. Donc maintenant il faut que je trouve l'iridium. Où est-ce qu'on trouve l'iridium? Je sais pas. Ça y est, je viens de trouver un dépôt d'iridium. Donc c'est pas à côté du tout en fait. En plus à toi pour scanner la zone. Ouais mais je scanne la zone, je la scanne. En même temps j'en profite pour récupérer des ressources. J'espère pas crever là. Je vous le dis, j'espère pas crever maintenant. Putain, mais le dépôt il est là-bas quoi. Mais comment on fait pour aller là-bas? Regardez, j'arrive dans 6 minutes. Un peu moins, un peu moins. Ça se rapproche. Oh, il y a un genre de cerf sur le côté. Regarde ça. Je sais pas si je peux. Comment je peux faire pour le. Voilà. Je vais me trouver le fameux iridium. Non, il m'en faut 200. Mais j'ai plus rien. J'ai plus rien qui va. Alors. Je sais pas si je vais rester longtemps en fait. Combien je suis. Ah, mon arme est déchargée. Ça y est, j'ai 200 d'iridium. Ça y est, j'ai réparé mon vaisseau, dis donc. J'ai réparé mon vaisseau. Maintenant, il faut alimenter le propulseur. Quitter la planète. Ouais. Par contre, comment je fais pour... J'ai plus d'armes. État critique de la visière. Il faut du fer. Le scanner. Il me faut du fer. Mais à mon avis, je vais pas survivre longtemps vu qu'apparemment
Je vais pas tarder à crever. Ah merde, j'ai déjà plus d'armes. Récupérer d'abord. Maintenant, où est le vaisseau? Je ne me souviens pas. Il doit être par là. Voilà. Allez, je vous dis pas tout ce que j'ai dû marcher en fait. Je vais un peu couper et je reprendrai si j'arrive au vaisseau, si je meurs pas avant. Bon, mais voilà, je suis mort une troisième fois. C'est pas grave, en tout cas, l'état du vaisseau est resté nickel. Donc maintenant, je suis à la recherche d'énergie. Et en plus, j'ai rien de chargé. Il faut que je retrouve des, il faut que je trouve des isotopes. Bon, je ne sais pas où est-ce que je peux les retrouver, où est-ce que je peux en trouver. Peut-être en scannant. Là. Allez, je vais chercher de l'énergie. Donc j'ai besoin d'énergie pour mon vaisseau et après je pourrai enfin décoller. J'irai sur ma tombe en fait du cadavre pour récupérer ce que j'ai à récupérer. Et après je me barre de cette planète. Ah mais... Ah d'accord. Donc je le récupère comme ça du coup. À la main quoi. À l'ancienne. Voilà. On va recharger cette arme. Comment on fait déjà pour recharger l'arme? Là. Donc ça, on peut le réparer avec du fer. Ok. Technologie rechargée. Technologie rechargée. Et ça, c'est... Allez, je viens de passer une étape encore. J'ai fait 5000, je sais pas quoi, parcouru. Donc j'ai récupéré le plutonium. Normalement qu'il me faut pour réparer. On va aller voir ça. Donc on va recharger. Technologie rechargée. Voilà. Et celle-là. Technologie rechargée. Voilà. Donc là j'ai le vaisseau. Quitter la planète, donc il me reste plus qu'à quitter cette planète. Je décolle. Wow. Attendez, hop. Je m'y fasse. Donc ça c'est pour accélérer. Lancement du vaisseau accompli. Très bien. Où est-ce que je dois aller? Je sais pas. Ah, il y a une tombe en bas. Je vais récupérer mes affaires. Hop là, attention. Bon, apparemment, il faut que je quitte la planète. Donc, je vais quitter la planète. C'est pas grave. Comme ça, on va terminer cette vidéo sur, sur ça. Activer le turbo. Voilà, j'ai découvert donc une galaxie. Et du coup, voilà. La Terre où j'étais tout à l'heure, elle est là.
Donc il y a tout plein de trucs non découverts. Il y a un truc là-bas. Station spatiale. Ah ben c'est la station spatiale. Donc je vais m'arrêter. Je vais arrêter la vidéo sur ça. Fabriquer l'hyperpropulsion, alimenter l'hyperpropulsion. Donc je vais aller à la station spatiale et la vidéo s'arrêtera comme ça en fait sur cette station spatiale de découverte de ce monde, No Man's Sky. C'est pas mal mais en fait c'est assez difficile. C'est assez difficile au début de s'y retrouver. Surtout dans. Signal détecté. Moi je vais quand même aller là-bas. Il y a un truc ici donc je vais en fait hors de la planète balise. Alors, tout à l'heure il y avait un truc là. Pour activer le saut assisté, ça fait peur ça. J'ai pas envie de sauter. Voilà, j'arrive à la station spatiale après plusieurs minutes de vol. Je sais pas comment ça se passe, je vais foncer dessus. Ah, c'est là l'entrée. Et voilà. Je suis arrivé à la station, point de restauration, et on enregistre. Voilà mon petit vaisseau, tout basique, mais bon, confortable à conduire en tout cas. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo découverte, enfin, découverte d'autres planètes et de survie sur No Man's Sky. Allez, salut tout le monde!